Alors, je m'appelle Lucien Fradin et je suis metteur en scène dans une compagnie que j'ai créée avec Aurore Magnier qui s'appelle La Ponctuelle. Alors moi, on m'a dit, dans ma famille, on disait tout le temps, fais pas ton sauvage. Alors, quand on m'invite quelque part, je dis oui. Je crois que ce que j'ai de plus sauvage chez moi, c'est cette chemise avec des flamants roses, qui, je crois que c'est un animal sauvage. Et en fait, c'est surtout l'occasion de parler de l'association Les Flamants Roses, qui est une association lilloise, qui, avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, le Couvent du Nord, sont, à mon avis, les deux associations les plus pertinentes sur les questions LGBT et queer. La réédition de poche du Bal des Folles de Copi, et dedans il y a un boa constrictor. Alors on a reproché, quand il y a eu le saccage de l'Arc de Triomphe, en tout cas ce qui a été appelé un saccage, on a reproché aux Gilets jaunes d'être des sauvages, d'avoir ce genre d'acte. Et en fait, en ce moment, ma musique préférée c'est celle de Klaus Tinto, et justement son dernier album qui est sorti, On est là, reprend une des photos de ce saccage de l'Arc de Triomphe.